on a tout, tiens. Alors, aujourd'hui, samedi 5 août 2023, c'est une journée anniversaire. Ça fait exactement un an que j'ai décidé de me lancer dans cette aventure YouTube. Voilà, j'ai attaqué le 5 août 2022 par la remise en route, la remise en état d'une Austin Mini qui avait été abandonnée depuis 26 ans. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la playlist sur la chaîne. J'avais à l'époque 89 abonnés, vous êtes aujourd'hui 19 200 à peu près. Voilà, donc très belle aventure humaine, de belles rencontres également. D'ailleurs, ces derniers jours, j'ai eu plusieurs visites. Je salue Edouard qui nous est venu d'Éthiopie. Bon, c'est un insulaire, mais qui a de la famille là-bas. Voilà, il a découvert la chaîne en Éthiopie et il a voulu, dès qu'il est rentré ici, il a voulu absolument venir me voir. Donc, j'ai trouvé ça très touchant. Ah, j'ai Claude, dont le papa avait peint les fameuses portes de la deux chevaux, qui est venu me voir. Moi, il n'est pas arrivé les mains vides en plus. Hein. Claude, un grand, grand merci pour ton geste. J'ai Andulu et Yann, son père. Donc, Andulu, c'est mon jeune abonné. Alors, eux non plus, ils ne sont pas venus les mains vides avec un beau panneau fait à la main et un dessin d'Andulu avec une voiture de course. Voilà. Et puis, ben, je vais aussi saluer Jean-Luc qui est passé hier avec une de mes collègues. Voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir ces visites. Et puis, Patrice également qui est venu à l'improviste. Voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est au-delà de la simple aventure technique, c'est aussi une aventure humaine. Et c'est quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur. Voilà. On va parler un petit peu du projet. Semaine, alors je ne vais pas dire compliquée, mais semaine intense. Alors on m'a posé la question à quoi je carburais. Alors je vous rassure, rien d'illicite. même pas de café. Voilà, je fonctionne au lait froid et à l'eau, beaucoup d'eau en ce moment. Et puis après, je pense que ce qui me maintient éveillé, ce qui me donne ce rythme, ne cherchez pas, c'est la passion. En plus, là, on arrive à un stade où, vous l'avez compris, la voiture, elle est partiellement peinte. Donc, on est, entre guillemets, dans du beau en comparaison du début de ce projet où la voiture était dans un état catastrophique. Donc là, aujourd'hui, c'est que du bonheur de remonter au fur et à mesure des pièces remises en état. Pour le reste, bah écoutez, je ne sais que dire. J'ai eu d'excellents retours concernant la boutique. D'ailleurs, je pense que je vais moi-même me commander ne serait-ce qu'un t-shirt, parce que ce logo, il est juste magnifique. Je me répète, merci encore Marc pour ton investissement. Et sinon, bah, la cagnotte, pareil, je remercie, il y a encore des gens qui ont participé. Merci à Eric qui m'a laissé un petit message dernièrement. Donc voilà, n'hésitez pas une fois encore à partager, à liker, à vous abonner. Bon, tout ça permet aussi, par le biais de l'algorithme YouTube, ça permet aussi de présenter le projet et je continue d'avoir des gens qui le découvrent et ça fait chaud au cœur d'avoir une belle communauté qui suit cette aventure. Voilà, j'ai assez parlé, place aux images et bon, pour mercredi, je ne sais pas si je vais avoir le temps d'une petite pause récréative, mais une chose est certaine, on se retrouve samedi prochain. Thank you.
Alors, je m'attaque au mastic, donc bon, produit de chez Carrosse. Hein. Alors, le mastic, c'est simple. On en prend avec une spatule. Alors, je vous conseille de pas trop en prendre, surtout s'il fait chaud, parce que c'est un produit qui catalyse très vite. Bon, là, j'en mets une petite noix. On va mélanger. Et en fonction de la température, on a, allez, on va dire une bonne dizaine de minutes pour travailler le produit. Mais pas tellement plus. Voilà, surtout bien homogénéiser le mélange. Et après, on passe à la carrosserie. Alors, pour les impacts de balles sur le toit, j'utilise donc ce mastic similaire à l'étain qui est très costaud. J'ai beaucoup de mal d'ailleurs à le poncer avec du papier de verre classique. Donc voilà, là je fais tous les impacts et bon, logiquement je devrais en avoir assez. Bon, je vous épargne la partie ponçage, masticage, reponçage derrière. C'est pas palpitant, d'ailleurs ça ne me fait pas palpiter du tout, mais il faut le faire. Bon, je ne suis pas un spécialiste non plus, donc ça prend beaucoup plus de temps que si j'avais du métier. Bon, là, on est parti à mon avis pour de bonnes heures de ponçage. Bon. Je repasserai à l'image une fois que j'aurai mis tout ça en après. Ça y est, j'en ai partiellement fini avec le ponçage. Bon, vous avez vu, je viens de vous prendre la température autour de la voiture, c'est suffocant. Et pourtant, on a de la chance parce que le soleil est voilé, donc je n'ai pas le rayonnement plein pot sur la carrosserie, ce qui fait qu'il fait quand même moins chaud et ça m'a permis quand même de poncer en extérieur. Là, la prochaine étape, je vais protéger toutes les parties déjà peintes, donc l'habitacle, le compartiment moteur, la malle arrière, tout ce qui va être train. Et je vais passer, alors ça m'a été suggéré par l'équipe de carrosse.e, que je vous conseille sincèrement, parce qu'ils sont vraiment top. Ils m'ont conseillé, ils m'ont proposé d'essayer du mastic à pulvériser au pistolet. Alors, ça va être une grande première pour moi, je n'ai jamais essayé. Mais je présume que ça va permettre d'obtenir juste ce qu'il faut de mastic de manière assez uniforme et homogène sur la voiture. Donc pour obtenir un beau résultat derrière. Alors une fois que j'aurai projeté mon mastic et qu'il sera sec, ponçage fin de toute la caisse, mise en après derrière, nouveau ponçage fin et logiquement, si tout se passe bien, peinture. Voilà. Cache pas que je, même si c'est un travail que franchement je fais parce qu'il faut le faire, mais j'apprécie pas plus que ça. La motivation petit à petit d'arriver jusqu'à la peinture, c'est quelque chose d'énorme. Voilà, donc c'est parti pour le marouflage.
Le film, il commence à pleuvoir. Bon, galère supplémentaire. Donc je dis galère supplémentaire. Il est tombé 3 gouttes pendant que je passais mon mastic. Du coup, j'ai dû tout interrompre. Résultat, le mastic, avec la température, il a pris dans le pistolet. Donc là, il faut que je gratte tout. La voiture est dans l'atelier, je vais essayer de finaliser ma diffusion de mastic ce soir, mais bon, rien n'est moins sûr. Il est vraiment tombé 3 gouttes, mais 3 gouttes qui m'ont foutu en l'air toute ma préparation. Alors j'ai passé un rapide coup de... c'est la peinture, hein. La peinture en bombe, en fait
c'est très très léger. Je vais poncer et logiquement, s'il y a des défauts, je vais voir apparaître des traces de peinture qui ne seront pas poncées. Voilà, c'est une technique que j'ai déjà vu faire chez les carrossiers, donc c'est assez efficace. Alors voilà typiquement le but de passer un petit coup de peinture. Donc là, je viens de poncer dans toute la zone. Et ici, de toute évidence, il y a un manque de mastic, il y a une petite bosse que je n'ai pas vue. Et du coup, bah, ça laisse les marques de la peinture. Donc là, il va falloir que je remette un petit coup de mastic de finition et que je reponce derrière. Alors, une fois que j'ai tout poncé, je marque toujours avec mon feutre récupéré dans l'épave numéro 3. Je marque les endroits où il y a des petits défauts. Hop. Alors là, un tout petit manque de mastic. Bon, je vais faire le tour de la voiture et je vais reprendre tous ces éléments. Alors le gros problème de la peinture, c'est que ça s'immisce absolument partout. Donc tous les soubassements qui sont déjà peints, le berceau, j'ai pas du tout envie de me retrouver avec de la peinture verte dessus. Donc j'ai marouflé également tous les soubassements. Voilà. Logiquement, ça devrait bien protéger. Alors maintenant, et passer toute la voiture au tampon d'essuyage. C'est un tampon qui adhère, hein, il y a un adhésif dessus. Et ça va me permettre d'enlever toutes les micro-particules, les micro-poussières que j'arrive pas nécessairement à enlever avec la soupelle. On voit déjà, c'est blanc.
ma cabine au ciel est vintage. Elle commence à lâcher de partout. Bon, c'est du chinois. Hein. Vous vous doutez, rapiécé de partout. L'essentiel, c'est que ça tienne au moins le temps que je fasse une peinture. Allez, ça doit faire approximativement bien 2-3 mois que j'attends avec impatience de pouvoir mettre mes tours de roue, mes petites arches groupe 2 qui avaient déjà été peintes lorsque j'avais refait le berceau. Le berceau avant ou arrière, un berceau, arrière. Voilà, donc hâte de pouvoir les remettre sur la voiture. Ça va lui donner indéniablement une autre ligne. J'ai sorti mon stock de feux arrière et de phares. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai récupéré depuis des années. Bon, je suis sûr que si je fais le tri, il y a une partie qui malheureusement ne serait plus trop récupérable. Mais voilà, il faut que je trouve donc deux feux arrière de MK3 propres et deux phares avant. Je vais mettre des Lucas. Donc deux phares avant en bon état. Je crois que le plus simple, ça va être que je mette tout par terre et que je fasse le tri. Ça, ce sont des joints spécifiques pour des feux MK2, MK3, puisque les générations d'après sont plus grands. Ça, c'est les générations d'après. Il faut que j'en trouve deux comme ça. À se demander pourquoi je les ai récupérés. Là, il n'y a que des joints des dernières générations. J'ai trouvé dans tout mon stock, j'ai trouvé alors deux cerclages chromés qui sont en bon état. Donc, et j'ai trouvé
deux phares. Alors c'est pas du Lucas, c'est du Wipac. Wipac halogène. Bon, c'est pas plus mal parce que le Lucas, vous voyez que ça éclaire pas grand chose. D'ailleurs, je vais pas dire de bêtises, je crois qu'on dit de la marque que c'est elle qui a inventé l'obscurité. En tout cas, c'est ce qui se disait. Voilà, donc, alors, petite entorse à l'origine, d'origine, enfin, à l'époque, ils montaient des bols en acier. Je dois avouer que les secondes générations, les bols sont en plastique. J'ai pas beaucoup de temps. Là, c'est encore un gros travail. Il faut dérouiller, il faut repeindre. Enfin bref, je vais opter pour ces bols en plastique. De toute façon, on va pas les voir. Et ils sont totalement identiques, si ce n'est que voilà, c'est du plastique. Bon, je vais mettre un petit coup de pâte à polir sur les chromes et après je l'installe. Bon, mon second cerclage, malheureusement, est pas terrible. Enfin, il est pas terrible. Il est en bon état, mais les chromes sont tout oxydés. Alors, je vais faire ça avec de la paille de fer. Avec l'ombre du téléphone. Bon, pour un premier passage, c'est pas mal. Hop, on se voit dedans.
Alors on est dans le système D complet. J'ai d'origine une espèce de pâte type pâte à fixe, d'ailleurs on en voit encore des morceaux. Alors, ça part justement un petit morceau, donc je vais le remplacer par un joint maison fait avec un morceau de chambre à air qui vient d'une de mes jantes de mini. Bon, celle-là, elle a été réparée plusieurs fois, donc bon, je la sacrifie. Voilà, avec mon feutre de l'épave 3. Allez, impeccable, je remonte. Allez, je continue de sortir le stock. Là, j'ai récupéré depuis des années. Ce sont des joints de porte, de fenêtres arrière. Donc voilà, il faut que je trouve... J'en trouve 4, enfin 2 de porte et 2 pour les fenêtres arrière en bon état. Et je les monte. Alors, comme pour les feux et pour les phares, ben, je cherche dans mon stock de clignotants avant. Alors, j'ai trouvé, donc ça, c'est des vieilles générations. Ce sont des clignotants verts. Après, il y a eu les versions en plastique qui, comme vous pouvez le voir, se décolorent très facilement. Et puis après, on a carrément changé de forme et changé de modèle. Voilà, donc, moi, je suis sur de l'ancienne génération. Là, j'ai trouvé 2 supports qui étaient très souples. Je vais leur mettre un petit coup de nettoyage et je remonte sur la voiture. Alors pour ceux qui seraient amenés à monter donc, ces clignotants sur leur Austin, voire sur d'autres anglaises, hein, parce qu'il n'y a pas que sur les Austin qu'on les a installés, la petite encoche ici, elle va vers le bas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de... Les écarts ici, si vous regardez bien, on n'est pas à un tiers, un tiers, un tiers. Voilà, donc, encoche vers le bas. Et bien, alors pour installer la partie chromée, donc vous avez vu, j'ai utilisé un simple tournevis, d'où l'intérêt, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, d'avoir un joint caoutchouc qui soit souple. Parce que malheureusement, quand il commence à être dur, ça devient très compliqué à rentrer et à mettre en place. Allez, je passe à l'autre côté. Alors, petit souci, j'ai le faisceau du clignotant côté conducteur qui a été coupé. Bon, en même temps, c'est le faisceau qui vient de l'épave numéro 3, donc jusqu'à présent, il est quand même plutôt en bon état. J'ai retrouvé un bout de fil de la même couleur dans mon stock. J'ai des vieux faisceaux qui me servent un peu pour en dépannage, quoi. Et donc là, j'ai dénudé mes deux fils, je les ai torsadés, je les ai mis ensemble. Personnellement, je préconise de souder un petit peu d'étain, une soudure, ça prend pas beaucoup de temps. Je préfère de loin
à l'option de mettre des connecteurs, d'abord parce que esthétiquement je trouve que c'est pas terrible, et puis bah, les connecteurs ils s'oxydent, alors que la soudure elle tient quand même beaucoup mieux dans le temps. Voilà, je vais faire ma masse, après je protège avec du chatterton. Je continue l'habillage et je dois avouer que ces petits clignotants sont du plus bel effet. Alors, j'en ai profité pour... Alors, j'ai mis un coup de peinture. Ça m'a été rappelé par un passionné qui est en train d'en préparer une également pour courir en VHC. Les sangles, dans la réglementation, effectivement, doivent être rouges. Et la flèche, elle est obligatoire. C'est pour indiquer l'emplacement de la sangle au cas où, en cas de dépannage, il ne s'en rendrait pas compte. Voilà. Alors, partie importante du remontage, la mise en place du pare-brise et de la lunette arrière. Alors, sur les Austin, contrairement à certains autres modèles, le joint se met en premier. Alors moi je mets en l'occurrence du Chanteclair, ça facilite la mise en place. Voilà, allez, deuxième étape terminée. Maintenant, je vais mettre le liseré chromé. Alors, pour mettre le liseré chromé, le mieux, c'est de se prémunir d'un outil comme celui-ci, qu'on trouve sur le net. On peut éventuellement le faire, moi, avant de m'acheter cet outil, je le faisais avec une clé à œil. Alors de mémoire, je crois que c'est du 10 ou du 11 qui passe là-dedans. Après, j'arrondissais. Bon, j'avais retravaillé, j'avais meulé les bords pour pouvoir obtenir quelque chose qui avait sensiblement cette forme-là. Voilà, donc, le principe est simple. Je mets mon outil dans le joint. Je l'écarte. Et je viens placer mon joint dedans, enfin mon jonc dedans, et je vais avancer. Alors là, avec la caméra, je voyais que c'est pas pratique du tout. Donc, en gros, voilà le principe.
Alors pour les jonctions, moi j'ai tendance à couper 1 cm plus long, parce qu'en fait le joint il va se rétracter une fois en place. Alors normalement il y a une petite pièce à mettre ici qui fait la jonction, qui permet de cacher justement cette jonction. Bon, il faut que je la commande, je l'ai juste oublié. Ça y est, la lunette arrière est posée. Alors exceptionnellement, je vous ai mis les images en temps réel pour que vous puissiez vous faire une petite idée du temps qu'il faut pour mettre le pare-brise. Alors c'est vrai, j'ai l'habitude, c'est pas le premier que je pose. Si vous voulez vous lancer là-dedans et que c'est votre premier, ça risque d'être un petit peu plus long. Mais sincèrement, si vous suivez les mêmes étapes que les miennes, il n'y a pas de raison qu'il puisse pas rentrer facilement. Voilà. Par contre, bon, là, bientôt, il est 9h du soir. Je vais peut-être penser à rentrer. De toute façon, il commence à faire entre chien et loup. Et là, je voudrais pas faire de bêtises, faute de visibilité. Donc, je vais m'en rentrer et je ferai le pare-brise demain matin. Alors là, je vais donc installer le pare-brise. Un petit peu d'histoire sur la technique des pare-brises. Alors, faut savoir que les premiers véhicules ont été équipés de pare-brise et de lunettes en verre trempé. C'est le cas de la lunette arrière de la Mini. Le seul souci du verre trempé, c'est que quand il explose, que ce soit pour un accident ou quand on prend une pierre ou quoi, il explose en une multitude de petits morceaux qui risquent de blesser les occupants du véhicule. Donc à partir de donc dans les années 50, 60, 70, la majorité des véhicules étaient équipés de pare-brise en verre trempé, et à partir de 1983, ils ont eu obligation d'installer des pare-brises feuilletés. Donc, alors le principe existe depuis 1910, hein, j'ai regardé un petit peu. Donc c'est tout simple, hein, ce sont deux verres fins avec au centre un film plastique, et ça lui donne une résistance bien supérieure. Et en cas de choc, ça part pas en morceaux. Il y a vraiment qu'au niveau de l'impact qu'on voit la marque. Alors, la réglementation FFSA ou FIA, enfin les deux, la réglementation rallye impose qu'on ait un pare-brise feuilleté. D'ailleurs, ceux qui ont des pare-brises, parce qu'il y a encore des gens qui ont des pare-brises trempés sur leur voiture, et quand on les passe en voiture de course, ils sont refusés systématiquement. Alors, on reconnaît facilement un pare-brise trempé en fonction de l'angle. On a des espèces de petites vaguelettes là sur la surface. Voilà, donc là, j'ai récupéré dans mon stock un pare-brise feuilleté. J'ai un petit peu de nettoyage à faire. Et puis ensuite, je le monte sur la voiture. Bon, je vous épargne, c'est exactement la même technique que pour l'arrière. Donc, je vous épargne le montage. On se retrouve une fois qu'il est en place. Bon, sur la lunette arrière, je pense qu'il y en a qui vont me dire que je n'ai pas filmé la jonction, que certainement j'ai dû couper. Donc voilà, là je le fais sur la partie avant. Donc on a bien 1 cm supplémentaire. Donc je vais pousser le jonc, et en même temps, c'est pas le bon tournevis. Ça devrait aller mieux avec celui-là. Voilà, là, il est bien en tension.
reste plus qu'à mettre la petite plaque chromée qui va ici pour cacher la jonction. Alors, voilà un parfait exemple d'un problème récurrent sur les Austin avec les joints de vitre arrière. Ils sont neufs, ils sont collés, ils sont d'un seul tenant, sauf que à la longue, le caoutchouc se rétracte et on se retrouve dans des situations comme ça où il manque clairement du vide. Donc la seule solution, je vais le désolidariser à l'endroit où il y a la soudure. Et puis je vais rajouter un morceau que je vais récupérer d'un autre joint. Voilà. Alors, le morceau rajouté ici, je le mets exprès de ce côté-là. Ici, il y a les deux charnières de la vitre. Donc ça va être discret, on le verra pas du tout. Alors, nouvelle difficulté. Il faut que je change donc les vitres arrière. Alors, le souci, c'est que sur les mini, il y a eu trois modèles. Alors, MK1, MK2, les vitres sont plus petites. Donc, celles-là, on les laisse de côté. Après, les premières MK3, il y a eu des vitres avec ce type de fixation. Et ensuite, ils ont installé des vitres comme celle-ci avec ces fixations-là. Le problème, c'est que moi, je fais une réplique, donc il faut que je mette ce type de vitre avec ces fixations-là. Le souci, c'est que, comme vous pouvez le voir, j'ai le cadre, mais j'ai pas la vitre qui a été exposée. Donc, j'ai gardé dans mon stock celle-ci. Il y avait une fixation qui était morte. Donc, j'en ai une autre qui est dans le même cas. Il faut que je démonte. Bon, démonter la vitre du cadre, ça, c'est pas le plus compliqué. Il va falloir que j'enlève tous les bouts de verre, que je remette un joint et que je réintègre la vitre qui est là-dessus. Je vais remplacer ces guides qui sont tous cassés par de l'UCAFLEX. Par contre, j'ai gardé des morceaux que j'ai insérés dans la gaine. Et comme ça, ça va me permettre de bien centrer la vitre. Alors, le cadre est assez simple à enlever. Il y a juste une jonction avec une petite vis. Et ensuite, il suffit de sortir la glace. J'ai mis du UCAFLEX de partout. Heureusement, ça se nettoie au White Spirit. La première est pour ainsi dire faite, je vais passer à la seconde. Alors, la dernière chose importante à faire, c'est de poser sur ma vitre un film anti-déflagration. Alors, quel est le but? On est sur du verre trempé, la réglementation nous impose de mettre un film de manière à ce qu'en cas de sortie de route, que la vitre reste d'un seul tenant et n'explose pas en petits morceaux. Alors, il se met bien entendu à l'intérieur. Voilà, donc
de ce côté là. Découper pour l'autre côté. Alors, l'idéal pour chasser les bulles, c'est une carte de crédit. Là, j'ai pris la partie supérieure d'une spatule. C'est souple, donc ça ne va pas m'abîmer mon film. Je vais m'occuper des feux arrière. Alors, toujours plus ou moins les mêmes techniques. On fait ressortir les chromes. Bon, là, j'ai pris de la paille de fer. Et puis, le plastique, je vais bien le nettoyer et après, je vais le lustrer.
Histoire sans parole.